Nang's Reborn. Wow! Bonjour les frères et sœurs, bienvenue. Nous sommes de retour pour découvrir quelque chose d'étonnant. Ça m'a étonné. C'est hors du commun. Que serez-vous prêt à faire pour réussir, mes frères et sœurs? Dites-le moi. Ha! Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que les gens sont prêts à faire pour des likes. Des likes. Sérieux? Mais c'est dangereux ça! Mais regardez! Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est un truc hors du commun quand même, hein? Regardez ça! Est-ce que ces zones d'endroit existent réellement? C'est un truc hors du commun! On voit ici une jeune femme qui est montée à une haute altitude. Un endroit très élevé. On voit juste une mer comme ça, en haut là-bas. Et elle a fait. Juste pour avoir des likes sérieux. Ou bien pour nous montrer quoi juste. Parce que moi je ne comprends pas. Regardez. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Regardez bien. Vous voyez ça? Elle allait même s'asseoir. Regardez son cœur bat. Son cœur est en train de battre. Mais elle a fait elle a fait, je ne sais pas pourquoi. Est-ce pour seulement avoir des likes ou bien? Bon, je ne comprends pas. C'est en très haute altitude. Voici l'endroit. On dit Buddha's Hand. Vous pouvez le voir. On dit Guangdong. C'est en Chine. China. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est un endroit très élevé, comme vous voyez autour, vous voyez ça. Ce que les gens sont prêts à faire pour des likes. Serez-vous prêts à prendre un énorme risque juste pour avoir des j'aime? Ha! On nous dit souvent dans ce monde que qui ne risque rien n'a rien. Vous voyez? Alors là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que les gens font. Ce que les gens ont fait. Qui a pu construire du pareil? Un endroit pareil? C'est étonnant. Mais si vous pensez que vous avez tout vu, vous serez surpris de voir ça. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Le gars envoie cette petite nana dans un endroit si élevé. On voit l'escalier qui monte. Il ne sait même pas où ça va. Est-ce que c'est réel? Vous connaissez ça? On dit que c'est situé ici. Stanway to. Ça dit genre, c'est situé aussi en Chine. Ça s'appelle Stairway to Heaven. Genre, c'est genre l'escalier qui vous conduit jusqu'au paradis, quoi. Et regardez la taille qu'il a réalisée, c'est incroyable. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ces choses? Mais je vois même que la fille, elle a peur. Je pense que c'est un hélicoptère qui a filmé ça. Mais regardez. Ça, c'est tout de même très dangereux. Hein. C'est très dangereux. Qui a pu imaginer un truc pareil? Quand même, hein, ceux qui l'ont conçu aussi, hein, sérieux. Waouh! Dites-moi ce que vous en pensez. Incroyable. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est pratiquement incroyable et ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur parce que, ouais, ça fait vraiment peur. En tout cas, moi, je suis pas prêt à prendre d'énormes risques comme ça, juste pour rien. Juste pour rien. Mais comment c'est possible? Regardez ça. Vous voyez, le gars, il marchait tranquillement. Vous voyez, il marchait tranquillement. Quand il a remarqué quelque chose d'inattendu sous ses pieds. Ça, c'est un pont en je ne sais pas quoi. Vous pouvez voir de vous-même. Il est en haute altitude. Et il s'est rencontré ces gens comme si le verre était de se casser. Le pont en verre était de se casser. On dit qu'il ne s'attendait pas à ça. Est-ce que vous voyez comment les gens ont peur de la mort?
Ils ne sont pas prêts pour mourir. Mais qui va aller au ciel sans mourir aussi? Mais regardez, regardez le gars. Il est positionné là comme ça, il voit que là, le vin est brisé. Il se dit quoi? Sérieux, je ne suis pas prêt pour mourir tout de suite. Regardez. Waouh. Vous voyez ça? C'est écrit ici, Grass bred in China. Tout ça se passe en Chine. Hein. C'est un point grass. C'est passé en Chine, en très haute altitude. Wow. Serez-vous prêt à faire cette expérience? À passer d'un endroit pareil? Parce que moi, non, hein, je suis pas prêt. Je suis même pas prêt. Mais j'ai regardé quelque chose qui m'a encore plus étonné. Ce sont des endroits très dangereux de la planète quand même. Hein? Mais regardez ça encore. Vous voyez ça. Vous voyez ça. Vous voyez ici là. Les gens doivent descendre l'escalier. Il y a de l'eau sur l'escalier. C'est très dangereux. On dit, will you risk your life like this? On dit, pouvez-vous risquer votre vie comme ça, comme cela, comme c'est écrit ici? C'est un truc hors du commun. Ça, c'est risquer sa vie. C'est risquer sa vie. Pourquoi risquerais-je ma vie pour un truc pareil? Sérieux? C'est un truc hors du commun. Vous voyez ça? Voici ce que les gens sont prêts à faire pour des likes ou pour quoi que ce soit du genre, mais c'est très risqué. Et vous entendez le bruit même. Hein? Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, c'est pas bon. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, c'est vraiment pas bon. C'est du tout pas bon. Je vous assure, hein? Ah, il faut vraiment avoir la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu a fabriquées qui sont hors du commun. Je vais vous montrer quelque chose tout de suite. Une affaire de tempête de sable. Regardez! Vous voyez ça? Ça, c'est le désert. On dit, this is how a sandstorm in Sahara Desert look like. Ça veut dire que ces gens, c'est à cela que nous sommes une tempête de sable dans le désert du Sahara. Vous voyez ça? Regardez la taille du truc. Ça, c'est un truc hors du commun. Vous voyez la taille de cette chose? Regardez les gens qui sont là. Mon Dieu, vous voyez ça? Celui qui n'a pas peur de Dieu, hein, celui qui n'a pas peur de la mort, c'est un truc hors du commun. Celui qui n'a pas peur de Dieu, c'est qu'il cherche la mort. C'est du hors du commun. Vous voyez ça? Les gens sont surpris, ils sont en train de filmer le truc. Quelle immense chose! Quelle scène hors du commun! Vous voyez ça? Voici à quoi ressemble ce qu'on appelle la tempête du sable dans le désert du Sahara. C'est énormissime, c'est gigantesque, c'est juste hors du commun. C'est juste terrifiant. C'est tout cela terrifiant. C'est grave. Mes frères et sœurs des A, Dieu est fort. Dieu est fort. Dieu est très 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 fort. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Nous devons vraiment avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et il existe vraiment des choses encore très très jolies dans ce monde. Regardez ça. Vous voyez cet endroit? Vous voyez ça? Waouh! C'est un endroit vraiment beau. Hein? Apparemment, ce serait en Australie. On dit Melbourne, Australie. Vous voyez ça? Et la fille, elle assiste tranquillement, elle est à l'aise.
C'est quand même risqué, il y a tout le temps dedans, les gens, ils ont les pieds dehors, comme ça, c'est quand même risqué, c'est quand même très risqué. Hein. C'est un risque, hein. C'est vraiment un truc très risqué. Waouh, c'est un endroit vraiment magnifique, un endroit extrêmement beau. Vous voyez comment les Blancs savent entretenir leur environnement. Ouais. Ça, si vous voulez mieux l'Afrique là-bas, hein? Ils vont se mettre à manger un petit à gauche et à droite. Ils vont même manger les fleurs qui sont là-bas. Là. Ils vont passer à parler de purité. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de la nature. Ils disent la nature, quel chat, quel est ton problème? Qui es-tu? Bon, nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire encore. Regardez ça. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Le gars, il est sur une pirogue en bambou. Oui. On dit ça, Guilin, en Chine. Il dit, vous deux, serez-vous prêts à faire cette expérience? Les gens sont sur une pirogue comme ça. Et regardez. Incroyable, mais vrai. Et si vous tombez dans l'eau là maintenant, vous allez dire quoi à Dieu? Regardez, le gamin a l'air de maîtriser sa chose. Vous voyez ça? Regardez, regardez. Le monsieur foi, hein? Pirogue en bambou, regardez. Pirogue en bambou, sérieux. Serez-vous prêt à vous asseoir dessus, sous cette immense étendue d'eau? Ah! Ah! Vous voyez ça? C'est un truc incroyable. Hein? Le monde est grand. Et il y a tellement de choses à découvrir. Mes frères et sœurs, voici ce que j'avais envie de vous montrer. Ce sont des choses que j'ai découvertes récemment. J'ai décidé de vous faire découvrir des choses hors du commun. Peut-être que ça m'étonne de vous montrer ici. Si vous aimez ce genre de vidéo, laissez beaucoup de j'aime, partagez. Et voilà, encouragez-moi tout simplement. Et on va aller plus loin. Ah! Alors dites-moi, serez-vous prêt à prendre de tels risques juste pour percer, mais juste pour avoir des likes? Vraiment, je pense pas que ça vaut la peine parce que il y a eu des morts. Moi, j'ai déjà eu une vidéo, j'ai vu une vidéo où on voyait deux filles en train de danser au bord de l'eau, au bord de l'eau. Et pendant que les deux dansaient au bord de cette eau-là, qui se trouvait dans un endroit vraiment... Comment vous l'expliquer même? Mais en tout cas, c'était un endroit difficile. C'est pas un endroit où on peut s'arrêter facilement, mais les deux ont tout fait pour aller s'arrêter là-bas. Sachant que la force de l'eau à cet endroit est élevée. Pendant que les deux dansaient, ils se faisaient filmer par les amis. Ce qui s'est passé, c'est que sans faire exprès, l'une est tombée dans l'eau là. Elle est partie comme ça. Elle est partie comme ça. Qu'est-ce que j'ai déjà écrit sur les réseaux sociaux? J'ai écrit sur les réseaux sociaux. RIP! Repose en paix! Wow! Tu Pukasito! Oh Pukasito! Mais pourquoi prendre de tels risques, des risques inutiles? Moi, j'appelle ça des risques vraiment inutiles, mes frères et sœurs. Ce sont des risques très inutiles. Hein? Ah. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, je suis déjà dépassé. Waouh! Waouh, c'est extraordinaire! Merci, les frères et sœurs, d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, dans la description se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire les dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais c'est tout cas parce que vous nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre bonne. Soyez prêts!